Allô, ça fait un petit bout que j'ai pas fait de vlog. Raison principale, c'est que j'avais un petit peu de misère à faire du montage. Je suis semi-gauchère depuis un mois. Mais là, je commence à être pas pire avec ma souris dans la main gauche, fait que je commence à être capable de faire un peu de trucs là. Mais je vais donner quelques nouvelles de ce que j'ai quand même fait dans le dernier mois et demi, mettons. Depuis ma dernière impro dans Ableton. Parce qu'après, je pense que c'est 2 jours après cette impro-là que je suis allée voir une physio pour ma main, puis que le stress a commencé à monter un peu. Parce que, long story short, une semaine avant Noël, j'ai commencé à avoir l'impression d'avoir juste un nerf de coincé dans ma main, ou juste. Tu sais, quand tu veux craquer tes doigts puis que ça craque pas, là. C'était ça. Fait que tu sais, j'avais pas mal, c'était juste un peu bloqué, c'était un peu gossant, mais bon. Rien de dramatique. Puis là, plus ça avançait, plus comme. J'ai comme, ah ben là, ça commence à faire un peu mal. Puis là, début février, il y a une de mes colocs qui était comme. Semble ta main est pas mal enflée. Puis. Ça fait juste empirer depuis. Fait que là, j'ai vu 2 fois une physio, 2 fois un médecin. La première hypothèse, c'était que j'ai un doigt gâchette, qui est un genre de nodule sur le tendon qui fléchit le doigt. Fait que mon doigt, il plie pas beaucoup, ça fait mal. Puis là, depuis une semaine, à peu près à chaque petit mouvement que je fais, ça fait mal, c'est cave de même. Mais si, mettons juste quand je m'habille, si j'ai le malheur de m'accrocher dans mettons, mon chandail, puis que mon doigt il fait juste ça de même, comme tu sais là moi ça vient de me tirer là, mais ça fait mal quand tu vas vite puis que t'oublies que chaque petit mouvement peut être douloureux. Fait que c'est ça. Au début l'hypothèse c'était un tendon, mais là le médecin quand je l'ai vu après à la physio il était pas convaincu de ça. Puis là je l'ai vu, c'est quand je l'ai vu, je sais plus. Là, ça fait une couple de jours. J'ai passé une radio, fait que ça a l'air que tout était beau, fait que il y a rien de cassé. Mais ça, je m'en doutais parce que je suis pas tombée ou je me suis pas frappée à la main dans un mur, quelque chose de même. Fait que je m'attendais pas à ce que la radio montre quelque chose. Mais là, la semaine prochaine, faut que je fasse une prise de sang au CLSC pour plusieurs affaires. Puis, faut que je retourne où j'ai fait ma radio. Mais là, le médecin, il me dit résonance magnétique, mais sur le formulaire qu'il m'a donné, c'est comme dans la section échographie, fais gaffe. Je sais pas si ça va être une IRM ou une échographie ou les deux. On va voir. Puis, avant de partir du médecin la dernière fois, il m'a dit une des seules choses que je pourrais voir que c'est, vu que c'est pas une blessure, ça serait, et je cite, un début d'arthrite bizarre. Moi, me faire dire que j'ai peut-être de l'arthrite avant d'avoir 30 ans. Mettons que t'es comme, c'est parce que ça dure longtemps l'arthrite. Ça part pas l'arthrite. Ça va être long longtemps si j'ai de l'arthrite. Ça va être chiant pour faire de la musique si j'ai de l'arthrite dans ma main droite alors que je suis droitière. Fait que là, je suis comme, t'as mon niveau de stress là, avant Noël, t'es genre à 0. Janvier, 3. Début février, 4,5 peut-être. Mais là, depuis une semaine, je dirais que c'est comme à 8-9, tu sais. Fait que ça, c'est une des raisons principales pourquoi j'ai pas fait grand-chose. C'est que, ben, à chaque mouvement que je faisais, comme je disais, ben, ça fait mal. Puis, ben, il fallait tout que je fasse la main gauche, puis je suis une droitière. Fait que c'était quasiment de recommencer à zéro, puis je me sentais vraiment comme un enfant, des fois, à être tout croche. Il y a 2 semaines, j'étais encore capable de, comme, faire certaines affaires avec ma main, comme manger. Mais là, c'est comme, ça fait trop mal. Fait que je me sens vraiment comme un enfant qui mange tout croche, là, t'sais. Fait que ça, c'était ça pour l'update santé de ma main. Fait que là, de ce temps-là, j'essaie de plus faire des petites choses, comme la dernière bulle de cerveau que j'ai eue, que j'ai faite ma parodie COVID-style de la chanson thème de Caillou. C'était ma première journée toute seule. Journée, là. Pas genre 2 heures. Un après-midi, même
partie du matin tout seul chez moi depuis je sais pas quand. Fait que là, j'étais juste comme « Wow! Je peux faire ce que je veux! Je peux déranger, je peux faire des niaiseries. Qu'est-ce que je fais? » Puis là, je suis retournée voir mes notes, puis j'avais mes paroles de ma parodie du thème de Caillou que j'ai eu en prenant ma douche. Mais tu sais, moi, j'ai noté ça, puis j'étais comme « Je vais le noter juste pour le sortir de ma tête. » Puis probablement que ça sera jamais utilisé. Puis ben, j'ai décidé de juste le faire dans Ableton pour juste voir ce que ça allait donner. Puis, je sais pas, moi personnellement, je trouvais ça drôle quand même, là. Puis, le monde qui me connaît personnellement savent que je suis capable de faire une voix d'enfant, puis tout le monde est comme « Ah, oh, tu devrais faire de quoi avec ta voix d'enfant? » Souvent, on me suggère de faire du doublage, mais pour faire du doublage, souvent, il faut quand même une formation d'acteur, ce que j'ai pas. J'ai déjà fait du théâtre, là, mais tu sais, on s'entend que c'est pas avec des cours de théâtre que t'as fait on the side au primaire, puis au secondaire, que t'es un acteur, là. Fait que je commence à peut-être penser à... Sinon, il y a du monde qui m'ont suggéré de faire de la musique pour enfants, mais j'ai comme une peur que si ça pogne, que je suis pognée à faire juste ça, puis déjà, je traite pas tant ces enfants, là, ironiquement, là. Je suis capable de les imiter, mais j'ai pas un instinct maternel très fort. Fait que c'est ça, j'ai décidé de faire ma parodie de Caillou. Puis après ça, j'étais comme, bon, est-ce que je sors juste l'audio ou je me fais une vidéo avec? Mais là, vu que j'étais toute seule chez nous, j'étais comme, hey, je peux aller partout dans l'appart, filmer, faire du bruit, je dérange personne. Fait que j'ai fait ça. J'ai fait la... Là, au moins, ça facile de trouver une version instrumentale du thème de Caillou. Fait que ça m'a enlevé vraiment beaucoup de job. J'avais juste à chanter par-dessus. Puis pour le montage, honnêtement, ça a pas été... J'ai quand même planifié les shots que je voulais avant pour pas juste comme avoir plein de vidéos super longues, puis comme essayer de trouver les bouts qui fitteraient avec chaque bout de la dame. Je suis comme, bon, telle phrase, je pourrais faire telle affaire, telle phrase, je pourrais faire telle affaire. Fait que tu sais, j'avais tout mon plan, là, puis regarde, il est là, mon plan. Il est comme pas super clair, là, mais... Puis en plus, c'est écrit tout croche, parce que j'alterne entre ma main gauche puis droite, parce que des fois, ça me fait mal quand j'écris dans la main droite, mais je suis frustrée quand j'écris dans la main gauche parce que j'écris un croche puis deux vraiment lentement, puis j'ai comme, je vais oublier mes idées. Puis taper à l'ordi aussi, c'est compliqué, puis au téléphone, c'est vraiment long. Comme hier, j'ai écrit, je pense, une petite phrase à une de mes colocs, puis elle est comme, voyons, ça t'a donc bien pris du temps, écrire cette phrase-là. Puis ma réponse a été, j'ai juste une main! Fait que, au moins, j'ai l'autocorrect sur le téléphone, puis l'autocomplete, fait que ça aide vraiment beaucoup, là. Fait que, c'est ça. Fait que là, j'ai parlé de ma main, la parodie de Caillou, que finalement, j'ai décidé de publier, même si j'étais comme pas convaincue d'à quel point c'était bon. J'ai juste fait fuck off. Ça fait longtemps que j'ai pas rien publié, puis sans rentrer dans les détails, de ce temps-là, chez nous, l'ambiance est assez poche. Beaucoup de problèmes pour tout le monde, hors de notre contrôle, très 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 souvent. Fait que c'est comme dur d'être de bonne humeur sans se sentir... Tu sais, comme il y a des journées que je suis de bonne humeur, puis des fois je me sens un peu mal d'être de bonne humeur, mais mettons que là, ça fluctue beaucoup. T'sais, aujourd'hui, je suis pas si pire, là, mais ça dépend de ce que je peux faire ou pas dans la journée, là. Fait que ça m'a fait du bien juste de faire quelque chose de cave. Puis de faire comme ben. Fait que j'ai passé ma journée de samedi à faire ça. Puis avant ça, dans un de mes derniers vlogs, je pense que c'est le 4e. Je suis pas sûre, là, ça fait longtemps, là, mais je vais le mettre en haut, là. Il y a deux. C'est-tu dans le même vlog? Je me rappelle pas. Mais il y en a un où je commençais à... Comme je pratiquais de la guitare pour une pièce rock progressive que j'ai commencé. Ça, je pense que je l'ai pas mal fini. Il me reste juste le drum vraiment à finir. T'sais, j'ai comme...
quelque chose de base pour comme un peu avoir la vibe de ce que je veux, mais c'est comme rien de super précis, mais là, ça, c'est quelque chose que j'écris dans Finale, fait que c'est en notation musicale, puis c'est un peu... Dans Finale, j'ai comme pas... Pour travailler vite, j'ai pas vraiment le choix de travailler à deux mains, fait que c'est comme pas quelque chose que je fais vraiment. Mais ce que je pensais faire, c'est peut-être juste faire une capture d'écran du score, de la partition, genre style karaoké, puis juste mettre l'audio pour montrer je suis rendu où, en précisant comme que le drum est pas fini. Puis il y a peut-être certaines affaires dans la mise en page qui marchent pas, là, mais je vais peut-être essayer de corriger ça. J'avoue que ça, j'ai hâte de sortir ça parce que c'est quelque chose qui était sur ma bucket list, d'écrire une pièce rock progressive qui marche. Parce que moi, personnellement, c'est un des genres musicaux que j'écoute le plus. Puis même dans les derniers jours, je suis repartie sur un trip Genesis, j'écoute quasiment juste ça. Pour le petit côté nostalgique, là, ça jouait beaucoup chez mes parents parce que mon père, c'est un fan de Genesis, fait que... C'est comme mon côté, je m'ennuie de ma famille, fait que j'écoute Genesis. Puis aussi, en janvier, j'avais commencé à travailler sur une musique pour un court-métrage d'un ami. Ça, c'est sorti. Je vais mettre le lien dans la description. J'ai-tu fait autre chose? Pas vraiment. J'ai beaucoup passé de temps devant Netflix les dernières semaines parce que... J'étais comme frustrée de pas être capable de faire aussi efficacement les choses que je voulais faire. Fait que j'aimais mieux juste pas les faire. Mais là, je commence à être tannée de regarder Netflix, puis je commence à avoir fait le tour. Fait que j'essaie de pas passer mes journées là. Au moins, là, il va commencer à faire plus chaud. Fait que ça va être plus tentant de sortir dehors. Parce que là, je peux pas mettre mes gants avec cette affaire-là. Sinon, c'est juste mes petits gants qui ont pas de doigts. Fait que quand il fait encore moins 14, vu que je suis frileuse des mains, c'est un peu frite. Fait que je vais juste rester en dedans. Je devrais aller dehors pareil, mais j'haïs vraiment, vraiment l'hiver puis frite. Fait que j'aime mieux juste rester en dedans puis regarder le soleil par en dedans. Fait que c'est ça. Je suis comme dans un... passe bizarre que je sais pas trop quoi faire, surtout que là, je sais pas encore ma main, c'est quoi le problème? Est-ce que c'est quelque chose qui va se régler avec des médicaments ou c'est quelque chose qui va se régler avec une opération ou ça va être quelque chose de chronique qui va m'affecter genre pour le reste de ma vie? Fait que c'est yay, c'est vraiment frustrant. Pis surtout, ce qui est pas rassurant, c'est que le médecin, la dernière fois, quand je l'ai vu avant de partir, il a repris mes mains, puis là, il comparait les deux, puis il était comme... C'est fascinant. Tu sais, une phrase pas rassurante, là. Tu fais tes démarches pour savoir c'est quoi le problème, en espérant juste te faire comme... prescrire un antidouleur, puis fais tel exercice, ce qui était ça au début. Mais ces affaires-là ne fonctionnent pas. Fait que même mettre du froid, là c'est inflammé, j'ai ce bout de main-là super enflé, puis ouais, il est encore chaud. Mais mettre de la glace, ça aide pas. Puis ça, c'est une autre affaire que le médecin puis la physio comprennent pas. Je leur dis je mets du froid, puis ça aide pas, puis souvent j'ai plus mal après. Ce qui est pas normal. En fait, tout ce qui se passe, puis que je leur dis que je fais, puis qu'ils marchent pas, donc, c'est pas normal. Même l'infirmière qui a pris mon pouls puis ma pression avant de voir le médecin, à chaque fois, j'ai pogné deux fois la même. Puis elle était comme, c'est vraiment pas normal. J'étais comme, ok, mais arrêtez de me dire ça, parce que moi, ça me rassure pas pantoute. Là. Fait que c'est comme dur de penser à autre chose, parce que chaque mouvement que je fais, ça me rappelle que j'ai mal à la main. Fait que... Well... Là, j'ai comme... Ben, tantôt, puis hier soir, j'ai commencé à travailler sur... En fait, c'est parce que là, j'essaie de peut-être commencer à utiliser les Reels sur Instagram, puis d'utiliser ça un peu comme contrainte de composition, fait que, tu sais, genre des tonnes de 15 à 30 secondes.
Là, au début, j'étais comme, je commence à faire mon 100 day challenge tout de suite. Puis j'étais comme, ben, je sais pas, attends un peu, voir. Tu pratique-toi avant pour être efficace, pour pas te mettre de pression de, mais là, ça marche pas parce que je suis trop poche avec la main gauche. Fait que. Mais là, je l'ai commencé une hier. C'est encore un peu cave. Probablement que ce que je vais faire dans les prochaines semaines, puis moi, ça risque de pas être. Des affaires super sérieuses pis deep là, parce que je veux dire, tout est déprimant, fait que j'essaie de... Je sors mon clown intérieur. C'est pas évident tout le temps, là, mais j'essaie de juste me dire fuck off pis je fais ce que je fais pis that's it, là, je me pose pas trop de questions. Là. Ben, je m'en pose quand même, comme, est-ce que... Ma question, c'est si un client potentiel voit ce que je fais, est-ce que ça me met mal à l'aise ou ça pourrait nuire à trouver des nouveaux clients, vu que je suis pigiste, là. Parce que mon blog, c'est aussi mon site web pro, fait que mes clients, ils vont là-dessus, fait que je... C'est ça. Est-ce que je suis à l'aise que mes clients ou potentiels clients voient ce que je fais? Fait que je vais arrêter là, parce que j'ai honnêtement pas rien à ajouter. C'est pas mal ça. Ma blessure, c'est pas une blessure. Mon problème demain, le film que j'ai... Ben le film. La musique pour le film que j'ai fait. Caillou! Puis ma pièce prog. C'est ça, les nouvelles des dernières semaines. Puis là, je vais essayer de finir mon autre toune niaiseuse qui fait très exactement 30 secondes. C'est encore un... C'est tellement différent de ce que je suis habituée de faire qu'on dirait que je suis comme... Je le sais pas si c'est bon ou pas. Puis je pensais à m'acheter une nouvelle bass. Peut-être dans la prochaine année. Je voulais m'acheter une short scale parce que mes mains sont vraiment petites puis je pense que ça serait plus approprié qu'une bass régulière. Mais là, si jamais je me fais dire que je peux plus jouer de bass, j'avoue que je vais être contente de pas déjà l'avoir acheté. Mais je vais être probablement fucking démolie. J'en jouais pas souvent, mais là, je recommençais à jouer. Là. J'étais dedans, là, ça me tentait, ça me fait chier. C'est vraiment un mauvais timing. Bon. Fait que c'est ça. Faut vraiment que je m'habitue à parler et savoir quand arrêter. C'est juste bizarre de parler tout seul. Fait que ça se peut que j'utilise plus ma voix dans les prochains trucs que je vais sortir. Mais ça dépend à quel point je suis... toute seule pour gérer le bruit qu'il y a chez nous. Ok, c'est ça. Je vais arrêter là pour vrai. C'était les nouvelles du mois. Voilà. Bonne semaine. Fin de semaine, je sais pas quand je vais publier ça. D'habitude, je sais combien de temps ça me prend monter une vidéo, mais là... Je suis pas aussi rapide, fait que... On verra. Ok, bye!